Il se présente comme étant Aboubakar Shekau, le chef du groupe terroriste nigérian Boko Haram. Une vidéo diffusée ce jeudi sur une chaîne de télévision française dans laquelle il met en garde contre toute tentative de libérer par la force la famille Moulin-Fournier. Trois adultes et quatre enfants enlevés le 19 février dernier dans le nord du Cameroun et probablement détenus au Nigeria. Nous affirmons au monde que nous ne libérerons pas les otages français tant que les membres de nos familles seront emprisonnés au Nigeria et au Cameroun. La force ne servira pas à les libérer. Nous sommes prêts à nous défendre avec force. L'homme qui apparaît sur cette vidéo ressemble à celui présenté précédemment comme étant Aboubakar Shekau. Mais la police nigériane avait annoncé la mort de ce dernier en 2009 lors d'une vaste opération contre le groupe islamiste au Nigeria. Boko Haram avait diffusé lundi un enregistrement sonore de Tanguy Moulin-Fournier. Il y apparaissait visiblement fatigué et appelait la France et le Cameroun à tout mettre en œuvre pour leur libération.